Scientists are warning of dramatic changes at one of the biggest glaciers in Antarctica in the next 5 to 10 years. The Antarctic ice sheet covers 98% of the continent and contains more than half of the world's fresh water. They are studying it every day with satellites. From a NASA airborne mission called Operation Ice Bridge. L'Antarctique est le cinquième plus grand continent par la masse terrestre et contient la majorité de la région Antarctique. Cela suggère que, bien qu'étant un continent sans aucun pays, l'Antarctique est capable d'engloutir à la fois l'Océanie et l'Europe. L'Antarctique est essentiel au système climatique mondial. Il est un élément du bilan thermique de la Terre. Le bilan thermique, également appelé bilan énergétique, est le rapport entre la chaleur solaire reçue par l'atmosphère terrestre et la chaleur renvoyée dans l'espace. L'Antarctique joue également un rôle important dans votre bien-être. Comme l'Antarctique possède beaucoup de glace, qui est plus réfléchissante que la Terre ou l'eau, elle dévie une grande partie du rayonnement solaire de la surface de la Terre. Cela implique que la perte de glace sur le continent laisse présager une catastrophe mondiale. Selon les scientifiques, lorsque la surface de glace diminue, le globe absorbe davantage de rayonnement solaire, ce qui entraîne un déséquilibre du bilan thermique lié au réchauffement de la planète et au changement climatique. Néanmoins, c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Comme vous le savez peut-être, l'Antarctique est dominée par la calotte glaciaire de l'Antarctique, la plus grande couche de glace au monde. Malgré les conditions difficiles, les scientifiques mènent des études en Antarctique et nombre de leurs conclusions sont effrayantes. Des photos satellites récentes et une enquête de la NASA ont révélé une découverte étonnante. Quelle est exactement cette découverte et comment affecte-t-elle notre monde? Restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Sous la calotte glaciaire de l'Antarctique se trouve un continent recouvert de rivières et de lacs, dont le plus grand à la taille du lac Erie. Au cours d'une année normale, la calotte glaciaire fond et regèle, ce qui fait que les lacs et les rivières se remplissent et se vident rapidement de l'eau de fonte. Ce processus simplifie le glissement de la surface gelée de l'Antarctique, qui peut s'élever et s'abaisser de 6 mètres à certains endroits. Selon une nouvelle étude menée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, un panache mantellique pourrait exister sous la zone connue sous le nom de Marie Byrd Land. La présence de cette source de chaleur géothermique pourrait expliquer une partie de la fonte qui se produit sous l'Antarctique et pourquoi il est actuellement instable. Elle pourrait également contribuer à expliquer pourquoi la calotte glaciaire s'est désintégrée si rapidement dans les cas précédents et changements climatiques. L'article intitulé « Influence of a West Antarctic Mantle Plume on East Street Basal Condition » a été publié récemment dans le Journal of Geophysical Research Solid Earth. Hélène Siroupsi de Jet Propulsion Laboratory a dirigé l'équipe de recherche qui comprenait des chercheurs du département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université de Washington et de l'Institut Alfred Wegener, centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine en Allemagne. Le mouvement de la calotte glaciaire de l'Antarctique au fil du temps a toujours suscité l'intérêt des scientifiques de la Terre. Les scientifiques peuvent prédire où et à combien d'eau froid la base en observant le rythme auquel la calotte glaciaire monte et descend. Ces observations ont incité les scientifiques à spéculer sur la présence de sources de chaleur sous la surface de la glace de l'Antarctique. Wesley E. Lemasurier, un scientifique de l'Université du Colorado à Denver, a proposé l'existence d'un panache mantellique sous la Terre Marie Byrd il y a 30 ans. D'après ses recherches, cela pourrait expliquer l'activité volcanique régionale et la forme topographique en dôme. Toutefois, ce n'est que récemment que des études d'imagerie sismique ont permis de confirmer l'existence de ce panache mantellique. Cependant, les mesures directes de la région située sous la Terre Marie Byrd sont actuellement impossibles. Seroussi et Eric Evans du JPL se sont donc appuyés sur le modèle ISSM, Ice Sheet System Model, pour valider l'existence du panache. Ce modèle, développé par des scientifiques du JPL et de l'Université de Californie, Irvine, est essentiellement une représentation numérique de la physique de l'Inlandicis. Seroussi et son équipe ont utilisé des observations des variations d'altitude de la calotte glaciaire effectuées sur plusieurs années pour confirmer l'exactitude du modèle. Ces mesures ont été effectuées par le satellite ISAT, Ice Cruise and Land Elevation Satellite de la NASA et par sa mission aéroportée Opération Icebreaker. Pendant des années, ces missions ont surveillé la calotte glaciaire de l'Antarctique, ce qui a permis d'établir des cartes d'altitude tridimensionnelles extrêmement précises.
Cerussi a également élargi l'ISSM pour y intégrer les sources de chaleur naturelles et les mécanismes de transport de la chaleur tels que la congélation, la fonte, l'eau liquide, la friction, etc. Ces données combinées ont établi de fortes contraintes sur les taux de fusion acceptables en Antarctique, ce qui a permis à l'équipe de réaliser des dizaines de simulations et d'étudier une grande variété des sites possibles de panache mantélique. Ils ont découvert que le flux de chaleur induit par le panache mantélique ne dépassait pas 150 mW par mètre carré. Par exemple, les endroits où l'activité volcanique est faible ont normalement un flux de 40 à 60 mW, mais les points chauds géothermiques, comme celui situé sous le parc national de Yellowstone, ont une moyenne d'environ 200 mW par mètre carré. Le taux de fusion était trop élevé par rapport aux données spatiales dans les simulations qui dépassaient 150 mW par mètre carré. À l'exception d'un endroit qui était une zone située à l'intérieur de la mer de Ross, connue pour connaître des débits d'eau élevés. Pour correspondre au taux de fonte rapporté, cette région nécessitait un flux thermique de moins 150 à 180 mW par mètre carré. L'imagerie sismique dans cette zone a également révélé que la chaleur pourrait atteindre la calotte glaciaire via une fracture dans le manteau terrestre. Cela est également compatible avec l'existence d'un panache mantélique qui est supposé être de minces courants de magma chaud s'élevant à travers le manteau terrestre et se répandant sous la croûte. Cette lave visqueuse se dilate ensuite sous la croûte, la faisant saillir plus haut. Ce processus distribue la chaleur dans la calotte glaciaire où la glace se trouve sur le panache, provoquant une fonte et un ruissellement important. Enfin, Cerussi et ses collègues présentent des preuves convaincantes de l'existence d'un panache de surface sous l'inland 6 de l'Antarctique occidental en se basant sur une combinaison de données de surface et sismiques. Ils pensent également que ce panache mantélique s'est formé il y a 50 à 110 millions d'années, bien avant l'existence de l'inland 6 de l'Antarctique occidental. Lorsque la dernière période glaciaire s'est terminée il y a environ 11 000 ans, la calotte glaciaire a connu une période de perte de glace rapide et continue. Le chaud a été poussé plus près de la calotte glaciaire lorsque les régimes climatiques mondiaux et l'augmentation du niveau des mers ont commencé à se modifier. D'après les recherches de Cerussi et Ignis, le panache mantélique pourrait soutenir ce type de perte rapide aujourd'hui, tout comme il a fait lors du dernier début d'une période interglaciaire. Il est essentiel de comprendre les origines de la perte de la couche de glace sous l'Antarctique occidental pour déterminer la vitesse à laquelle la glace peut être perdue dans cette région et donc pour prévoir les implications du changement climatique. Étant donné que la Terre connaît à nouveau des changements de température à l'échelle mondiale, cette fois-ci causés par l'activité humaine, il est essentiel de développer des modèles climatiques faibles qui nous indiqueront à quelle vitesse la glace polaire fondra et le niveau de mer augmentera. Cela contribue également à notre compréhension des liens entre l'histoire de notre planète et les fluctuations climatiques et de la façon dont celles-ci ont influencé son évolution géologique. L'une des découvertes les plus récentes de la NASA est que l'imagerie sismique indique qu'il pourrait y avoir une faille ou une fissure dans la croûte terrestre. Contrairement à ce que l'on croit, relativement peu des 1500 volcans potentiellement actifs de la Terre possèdent des bassins de lave bouillonnantes. Ces lacs de lave sont si rares que seuls 7 étaient connus avant mercredi. Après 30 ans d'exploration, une équipe de scientifiques a découvert le 8e lac de lave de la planète sur une île subantarctique isolée. Le mont Michael, un volcan actif situé sur l'île Saunders dans les îles Sandwich du Sud, a été reconnu comme ayant un lac grâce à des photos satellites haute définition. Cette semaine, des scientifiques du British Antarctic Survey et de l'University College London ont publié leurs conclusions dans la revue Volcanology and Geothermal Research. Nous sommes ravis d'avoir découvert une caractéristique géologique aussi remarquable dans le territoire britannique d'outre-mer, a déclaré Alex Borton-Johnson, co-auteur de la recherche dans un communiqué de presse. L'identification du lac de lave a amélioré notre compréhension de l'activité et des risques volcaniques sur cette île éloignée et nous en dit plus sur ses caractéristiques rares. Les photographies par satellite du mont Michael dans les années 1990 ont révélé ce qui semblait être un lac de lave, mais la résolution était insuffisante pour prouver sa présence. La position éloignée du mont Michael a également rendu la photographie du volcan difficile. Le mont Michael est un volcan situé sur une île isolée dans l'océan Austral. Il est extrêmement difficile d'y accéder et sans images satellites à haute résolution, il aurait été très difficile d'en apprendre davantage sur cette étonnante caractéristique géologique, a déclaré l'auteur principal Daniel Gray dans un communiqué de presse. Le lac de lave du mont Michael mesure de 90 à 215 mètres de diamètre, ce qui est plus grand que deux terrains de football.
La température de la lave en fusion dans le lac est estimée entre 989 et 1279 degrés Celsius, 1812 à 2334 Fahrenheit. Parmi les autres lacs de lave connus figurent le volcan Nyiragongo, le volcan Ertaal en Éthiopie, le mont Erebus en Antarctique, le mont Yasur au Vanuatu, le volcan Kilauea à Hawaï, l'île Embrim au Vanuatu et le volcan Masaya au Nicaragua. Les lacs de lave persistants sont un phénomène volcanique plutôt rare. Seuls quelques lacs de lave ont été confirmés dans le monde et même les plus persistants d'entre eux disparaissent au bout de 10 à 100 ans. Les mares de lave sont causées par les bassins de lave qui sont associés à la lave en fusion s'écoulant à l'extérieur du cratère et ne durent que le temps d'un épisode éruptif. Les lacs de lave, en revanche, survivent au-delà d'une seule activité éruptive et ne sont pas liés à des épanchements de magma. La matière évacuée est plutôt gazeuse et l'énergie est principalement thermique. Les lacs de lave se distinguent par des anomalies de température élevées et persistantes dans le cratère volcanique qui ont créé par un corps exposé de magma en circulation alimenté par un réservoir situé en dessous. L'activité d'un lac de lave peut varier de quelques minutes à plusieurs décennies. Les niveaux du lac peuvent fluctuer ou se vider entièrement et la surface peut être encroûtée ou en fusion avec des fontaines de lave explosives. Les surfaces présentent des fractures qui exposent la lave en fusion ainsi que des régions plus larges de la croûte qui sont refroidies par le rayonnement, la perte de chaleur et les précipitations. Comme les volatiles sortent librement par le lac, les volcans avec des lacs de lave persistants sont moins explosifs que ceux qui n'en ont pas. Par conséquent, plutôt que des épanchements de magma, les émissions consistent principalement en gaz et en énergie thermique. Malgré cela, leurs émissions de gaz nocifs nécessitent une surveillance régulière. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.